Bonjour YouTube, bienvenue sur une nouvelle session de Resident Evil 4. J'espère que tu te portes bien. Nous sommes plusieurs jours après la première session, donc il va sûrement falloir que je me remette un petit peu le gameplay dans les mains. Tu connais, dès que je m'arrête plus de 48 heures, on est foutu. On s'est arrêté pile à la fin d'un chapitre. Donc, notre objectif dans ce jeu, on joue Léon, qui doit trouver la fille du président qui a été kidnappée, enlevée, quoi. Apparemment, dans une région reculée d'Espagne, hein, les Espagnols, là, enfin, toute l'Espagne veut nous sauter dessus. Elle a été emprisonnée dans une église, voilà les infos qu'on avait. Et on a trouvé l'église, mais on n'a pas la clé. La clé qui est apparemment sur l'autre rive du lac. Et on s'est laissé vraiment, on a réussi à monter dans un bateau, à zigouiller un gros poisson mutant. Et on se dirige en fait vers l'autre rive. Vous m'arrêtez hein, si je dis des conneries. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Il y a un padré baraqué qui nous a foutu des grosses patates et qui nous a infectés avec une espèce de parasite. Donc je crois d'ailleurs qu'entre les deux chapitres, là, on s'était un peu évanoui. Donc on est infecté par un truc. Et il y avait aussi un autre gars qu'on avait aidé à se libérer. Je ne sais plus son nom, je ne sais plus ce qu'il fait là, et je ne sais plus. Je ne sais plus. Voilà. Luis Serra. Luis. Voilà, bah il y a Luis dans la nature qui va peut-être nous aider en retour à un moment donné. Mais lui, Luis, il était dans le coup, non? Enfin, il était dans le coup, il... Il était dans des sales bails. Bonjour Maxime, bonjour Solisticien. Il y a eu un chien aussi. Il y a eu un loup qu'on a libéré d'un piège à loup, c'est vrai. Un ancien de chez Umbrella. Une mademoiselle mystérieuse qui nous a sauvés contre Mendes. Ah oui, c'est vrai. Mendes, le padré. Il y a une demoiselle mystérieuse qui a fait un petit passage derrière la fenêtre. Et qui nous a aidés, effectivement. Salut Bisynx. Voilà à peu près, écoutez. Voilà à peu près. Alors j'ai oublié de changer la résolution de mon écran et de faire tout le bazar, donc ça se trouve ça va encore tout bugger. Attendez, je suis pas prêt. Parce que quand je suis sur console, je dois changer la résolution, ok? Alors, attendez. Voilà. Je clique là-dessus, et je clique là-dessus. Voilà. Voilà, oula, oh là là, ça va le faire, ça va le faire. Chut. Voilà. Ça n'a pas bugué. Ça n'a pas bugué. Ça bug pas, de toute façon. Jamais ça bug. Il y a aucun bug sur cette chaîne Twitch. Il n'y a jamais eu de bug. Voilà. Salut Britannouille. Oh, ça va. On vient de faire le petit résumé de où on en était. Merci Salixmilism pour cet abonnement offert à Kiyoka Grimm. Tel un jeu Blizzard, ça ne bug pas. Absolument. Oula. Continuer. Donc vraiment, on était au début du chapitre. On s'est évanoui après le combat contre Gros Poisson. On est toujours infecté. Il faut retrouver Ashley avant qu'il ne soit trop tard. Ashley, la fille du président. Tu vas recevoir notre corps le plus sacré. Ça commence maintenant. À l'aube, tu rejoindras toi aussi notre culte. Tu profiteras de ma sainte bénédiction. Pour toujours. Tout va bien. Ah mais on prend l'eau, bon Dieu, non?
Nous coulâmes. Je ne pourrais pas retourner de l'autre côté, bah voilà. Condor 1 à Perchoir. Tu me reçois ? Condor 1 ? Ça fait 3 heures que je suis sans nouvelles. Tout va bien ? Ouais, ça va. Ça se reproduira plus. Et l'église ? Je cherche toujours la clé dont j'ai besoin. Reçu. Contente que t'ailles bien. Terminé. Oh. Apparemment 3 heures qu'on rompige dans le bâtal, ouais. Alors, chapitre 4. Carte mise à jour. Trouver la clé de l'église. Vous avez vu comment je vous ai résumé le jeu et que je m'en souvenais et tout. Alors c'est vrai qu'on voit tous les trésors. Terroir verrouillé, il y avait une histoire de petite clé. Là, il y a d'avoir un autre bateau. Et on n'a pas coulé en 3 heures, non. Ah, mais il y a des trucs au milieu du lac aussi. Ah, on va avoir un bateau qu'on va pouvoir contrôler nous-mêmes. Clairement. Grotte aux peintures, la clé de l'église, ok. Au niveau inventaire, on a un petit pétard. On a l'arbalète, très pratique l'arbalète parce que les carreaux, tu peux les récupérer. On a un fusil à pompe. Et on a un sniper. Des grenades et des grenades, des fumigènes. Voilà. Et un couteau aussi, oui, c'est vrai. Attends, comment on combat au couteau? Comme ça. C'est bon. C'est bon, je sais jouer, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je suis là, je prends des munes. On est parti. Ouais. Document obtenu. Bon là, la table basse, j'aime pas trop le style. Pas fan. Poudre noire. Ah oui, c'est vrai, on peut crafter un maximum de choses, hein, notamment des balles, bien sûr. Plus très basse, votre table. Non, mais c'est parce que, tu vois, on voit, il y a 2 étages, là. Il y a la rallonge dessus. Et en dessous. C'est un modèle créateur, ça. C'est un modèle unique. Unique. Et ça y est, il fait nuit. Voilà. On l'avait dit, hein. La nuit était en train de tomber, donc peut-être... peut-être plus de flipouille, quand même. Et ça chuchote. C'est ok pour le son, d'ailleurs, hein, vous me direz, hein, surtout quand il y aura un combat, si ça ne vous explose pas la gueule. Ah, les pesetas. Est-ce qu'on avait des missions secondaires en cours? Parce que y a ça aussi. Oh, j'ai pas de place. Requête. Destruction de médaillon, ça c'est fait. Dératisation, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Ah non, là, il y a destruction de médaillon numéro 2 qui n'est pas complète. Ok. C'est moi ou bien l'abréviation de pesetas, c'est pétasse. Ou pesas. Ou peut-être... Paella. Il y a quelqu'un qui chuchote. Comment je m'accroupis déjà, comme ça? Ça me salmodie.
Ah oui, pétasse, c'est écrit pétasse. C'est vrai, ça? Un médaillon bleu a été fait, vous êtes mort et vous ne l'avez pas refait. Ah merde, tu crois que ça l'a pas compté? Parce que les médaillons bleus, ça se trouve, je pouvais déjà... De toute façon, ils sont sur la carte. Hein. Ça me les affiche sur la carte. Il y en a un ici. C'est une zone... Bah, je sais plus. Je ne sais plus. Cela vous convient-il? Ce médaillon vous convient-il? Ah, c'est... En plus, c'était pas celui où on est mort à cause d'un easter egg. Par hasard. Brioche, peux-tu? Mais qui chuchote, là? Je te jure, je vais me le faire. Puis je suis coincé dans un cul-de-sac. Please! Ah, des herbes rouges. Niveau inventaire, on est un peu... on est un peu léger. Hein. On est même très léger. Ah oui, parce que j'ai toujours mes œufs. Ok. Ces œufs-là... Alors, il y a un délire avec les œufs. Les petits œufs. Je sais pas ce qu'il a, ce jeu, mais... Il y a des œufs. Voilà. Ça nous permet de nous régénérer. On peut les jeter sur les ennemis. Mais j'ai décidé de pas les manger parce que je me suis dit, ça se trouve, il y a un secret. Apparemment, il y en a un, mais ce serait plutôt avec des œufs dorés. Donc peut-être que ceux-là, on peut les manger. Parce qu'ils me prennent de la place, ces enfoirés. Et non, on peut même pas les stocker, ça m'a rendu fou. On est censé avoir un coffre de stockage. Et en fait, dans le coffre de stockage, tu peux rien mettre. Tu peux mettre tes armes. Tu vas pas stocker tes armes. C'est quand même dingue. Merci Mario pour le troisième mois. C'est quoi ça? Oula! Mais qu'est-ce que c'est que cette grande fouetteuse? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Voilà. Est-ce que dire que tu as oublié de faire quelque chose, c'est considéré comme un spoil? Oui. Oui, oui. Pour l'instant, on part vraiment sur « vous ne dites absolument rien ». Et peut-être qu'après, on adoucira les règles. Pour l'instant, vous ne dites rien. Merci, Créris, pour le 18e mois. Elle voulait fouetter l'œuf avec un peu de sucre. Mais oui, c'est ça. Il faut clarifier les jaunes, là. Il avait l'air solide. Hein. Je vais peut-être me le farcir au fusil à pompe. Il y avait une histoire de carreaux explosifs également, c'est vrai. Le problème, c'est que j'ai toujours pas capté... J'essaye de m'équiper, j'y arrive pas. Ça y est. Il me dit, attacher mine, appuyer sur L3. Mais je crois que j'ai zéro mine. Et je ne sais pas comment crafter ça. Donc ça, pour le coup, j'ai pas compris. Donc si vous voulez me le dire, vous pouvez, hein, parce que j'ai pas capté. C'est quoi ça? Ah,
Ah, c'est quel bouton? C'est quel bouton pour parer? Je ne sais plus. C'est sûrement celui... Là! C'est pas celui-là. Ok, laissez-moi tranquille. Je vais manger un œuf, ça vous dit? Mais c'est nul en plus les œufs, ça me soigne pas beaucoup. C'était L1, oui, c'est bon, du coup je l'ai. Je vais essayer. Parce qu'il fallait que je fasse des coups au corps à corps pour garder un petit peu de mun. Mais je sais plus vraiment comment on fait en fait. Oh, je lui ai arraché la tête. Mais c'est une blague! Mais pourquoi le jeu s'énerve d'un coup, là? Ça y est, on est passé dans le vrai jeu, c'est fini le tuto et on galère? Bon, très solide les hommes lianes, là. Très très solide. Ça a l'air bien là-dedans. C'est quoi cet endroit? On dirait une sorte de sanctuaire. Il faut un objet clé peut-être? Le même symbole qu'à l'église. C'est ça, la clé. D'accord, donc imagine qu'il faut deux objets pour libérer la clé ou quelque chose dans ce goût-là. Belle stalactite, hein, belle colonne. C'est le lac. Lieu indiqué sur la peinture. Ah, vas-y, le jeu me fait peur alors que... Il y a une mission secondaire là. Clé des petits hôtels. Ah oui! On a croisé ça. C'est la clé Koh Lanta. Chasse à l'œuf. Tu te fous de ma gueule? Qu'on aille me chercher un œuf de poule dorée. Qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, il y a parfois des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Vendre un œuf de poule dorée. Ça va, ça va. J'ai eu peur qu'il me demande des œufs que je venais de manger. Ça va, ça va, ça va. Euh,
Ok, c'est nice, là on va pouvoir bien visiter. On pourrait faire demi-tour pour récupérer le médaillon bleu qu'on n'a pas refait la dernière fois. Donc il y a un truc à visiter ici. Par contre, il a dit deux endroits, donc le deuxième est là-bas. D'accord. Et là, il doit y avoir du secondaire avec un petit trésor et du secondaire au milieu. Ça me rappelle le secondaire avec God of War, avec le bateau. Ouh! Mediavision. 0,1,47,20. Oh, la pluie sur cette chevelure. Alexandrite. Alors les gemmes, c'est pour décorer. On a un petit atelier décoration dans ce jeu qui permet de revendre des artefacts plus chers. Le Red Nine. Je n'ai absolument pas de place pour toi. Ah si, c'est bon, quand je réorganise. Qu'est-ce que c'est ça? Pistolet puissant, le chiffre 9 est gravé en rouge sur la poignée pour éviter que l'on se trompe de munitions. Est-ce que c'est une bonne arme? Est-ce que... Je vais le foutre au coffre, hein, ça va me prendre une place monstre, ça va être insupportable. Je sais pas pourquoi j'ai cette musique dans la tête là. Waouh! La carte qui charge sous nos yeux là, un plaisir. Point la la la, point la la la, point la la la, point la la la. Il pleut comme vache qui pisse. Elles étaient où les petits hôtels Trivago avec la clé Koh-Lanta? C'était vachement loin, non? Si on veut y aller là, c'est super loin, non? Je sais même pas si c'est possible d'y aller. Non, c'est pas là que je veux aller. Je voudrais aller au coffre pour peut-être poser l'arme que je viens de trouver qui me prend une place incommensurable. Ou alors regarder si on peut l'améliorer. La limite. Non, là c'était les combats. J'ai quelques nouveautés en stock. Bienvenue. J'ai quelque chose de nouveau pour toi, l'ami. Donc, ça c'est le nouveau pistolet. 15 000 pour améliorer sa puissance. Survivre, je te conseille d'améliorer tes armes. Quoique je ne rate pas le livre. XD. Salut Cécile, merci pour ce 15e mois. Comparé. J'aime pas quand il y a trop d'armes à peu près du même style, là, je sais jamais quoi faire. J'ai plein. Bon, apparemment, vous êtes chaud pour plutôt améliorer le Red Nine. Donc, je le mets pas au coffre.
Et qu'est-ce qu'il prend comme une aussi, ce petit enfoiré? Pardon. Hein? Merde. C'est les mêmes munes que le petit pistolet, quoi. J'ai déposé le Punisher. Est-ce que je regrette ? Ben, j'avais déjà revendu le pétard pour acheter celui avec les spinels. Donc ça m'emmerde un petit peu, quoi. Bienvenue. J'ai mis la main sur quelques raretés étrangères. Oh, il revend des trucs. Ah, de l'herbe jaune, tiens. L'herbe jaune, c'est pour améliorer... Tu veux savoir où on a déniché ces merveilles? Améliorer la santé maximum. Il vaut mieux pas que tu le saches. Une mallette noire métallisée. Fait apparaître de la ferraille plus souvent. Un masque élégant. Alors, je peux acheter un masque pour le revendre, pour le sertir, pour le revendre. Mais bon, il y a tellement de trucs qui a l'air intéressant là. Il y a certaines choses que l'argent n'achète pas. Une lunette optique performante disposant de 3 niveaux de grossissement. Ça, c'est une valeur sûre. Je reviens quand tu veux, surtout. J'ai acheté le masque. Je ne sais plus comment on fait. Voilà. Le masque, il est là. Je peux le sertir. Si je mets... Il demande quoi, là? Il demande 3 pierres. Donc si je mets 3 pierres différentes, on aura une valeur de x 1,3. Je peux pas faire mieux. Ah si, je peux mettre 3 fois la même pierre, mais j'ai pas de... Peut-être que j'attends de faire le tour. Attendez. J'ai possiblement 3 pierres bleues. Ce qu'on fait, c'est qu'on va fouiller le tour du lac. Il y a possiblement d'autres caillasses. Ensuite, on vend le masque et on améliore Red Nine truc là. Une pluie, mais c'est pas possible, ça. Salut Vextrix. Donc, d'après la carte, derrière nous, il y a ce petit machin, là. C'est quoi, ça? Salut Lorraine. C'est pas ça. Oh. Bam, pesetas, bam, pesetas, bam, pesetas. Oh non. Ah, d'accord, ça retourne à la zone visitée. D'accord. Moi, j'aimerais voir ça. Ou pas, hein, on va visiter. Arrête donc de te prendre la tête. Fais ce que t'as devant les yeux.
Bonjour, me gusta la paella. Bracelet splendide. Oh là là. On va se faire du flouze là. Là c'est le moment où on va se faire du flouze. Clairement. Ça va sortir un maximum. Et allez, encore une alexandrite. Il y a que deux chasses. Ah bah je mets deux alexandrites, non? Attends, c'est peut-être mieux. Avec deux chasses, le plus fort, c'est le duo, c'est ça? Donc pas le choix. On peut pas faire plus cher. Je ne peux pas faire plus cher. 19 200 pesetas. Là, il me faut une bleue. Et avec trois chasses, c'est le plus cher. C'est trois bleus. Enfin, c'est trois de la même couleur. Ok, ça y est, ça commence à rentrer. Même couleur égale le meilleur, sauf 6 emplacements. Ouais. 5 emplacements. 5. Quoique, non, oui, même 5. 5. Oh, l'argent va couler à flot. Et des pierres qui valent plus. Je pense qu'il y a des pierres qui valent plus, ouais. Mais à mon avis, l'alexandrite, là, on est au plus fort. J'adore chiner. Là, on a tout ça. Bonjour, caribou. Par contre, là, on va se faire attaquer. Clairement, c'est grand. Fermé depuis l'autre côté. Vous ne m'avez pas entendu. Et vous n'avez pas vu ma lampe torche. Oh, il m'a fait peur. Je suis trop con. Ça n'a pas l'air d'être le plus malin, lui. Toudou, 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 toudou. Bon, par contre, j'ai tout visé à côté, mais c'est pas grave, car les carreaux, on peut souvent les récupérer. Tu vois ? Trois carreaux. Je vais me coucher avec cette musique. Mediavision. 01 47 20 0 0 0. Oh là là, ça fait mal. Mais ils sont tout bêtes.
Quoi, il a explosé, lui? Oh putain. C'est bien, j'ai bien visé, j'ai bien récupéré ta hache. Super, merci monsieur. Il est énervé. Non, ça c'est pas possible. Je déteste ça, ça fait super mal, je sais pas comment faire. En plus, il a la petite pioche du gars. Ça coupe. Oh non, mais vous exagérez. Ah, c'est bon, je l'ai achevé avant qu'il se transforme. C'est bon, c'est bon. J'en ai ras le cul. Cuidado. Attention le feu. Et j'ai pas de grand chose pour me soigner en vérité, moi, dis donc. Au secours! Au devant! Je me casse parce que. Oh. Je sais pas si je le touche vraiment parce que... Attention à la fouetteuse. C'est raté ça, mon bon monsieur, c'est raté. Bon, j'ai pris fort cher. Bonjour les ours. Bonjour, bonjour. Nous sommes au chapitre 4. Adridel. J'ai une herbe verte, mais je suis pas convaincu de le prendre tout de suite. Elle va pas me soigner beaucoup. C'est une échelle, ça. J'ai envie d'éternuer. C'est bon. Ah, on peut ouvrir ça. Bah, le Punisher, on l'avait amélioré déjà, donc c'est possible que le R machin, là, soit pour l'instant moins bon. Oh.
Ah, vous avez pas des... Ça m'étonne quand même, vous avez pas des herbes rouges chez vous, dans une belle grotte comme ça. Nom de Dieu. Nom de Dieu, mais... Bouge, 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 je suis coincé, je bouge, 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 bouge. Ils sont où les gens? Je suis pas du bon côté là? Qui êtes-vous? Oh, ils crament. Ça pèse des tasses un maximum. Il est où le gars qui me voit? Ah, il est là-haut. J'aime beaucoup ces grottes là, c'est vachement bien. Il est mort? Une herbe verte. Donc là, on a fait tout ce passage-là. Oh, j'ai laissé des carreaux ici. Et là aussi. Oh là là. Attendez. Est-ce que tout est bien nettoyé avant de vouloir résoudre l'énigme? Est-ce qu'on va pas se faire sauter dessus? Je sais pas si cette phrase est très correcte. Oh là, c'est peut-être un peu overkill ça, tu te calmes? Le coup de sniper dans la lanterne là? Haha! Nom de Dieu! Non! J'ai 0 PV. Attention, c'est chaud. Attention! C'est très chaud. Oh! Il est tombé! Il est tombé! Quelqu'un derrière moi? Oh, vas-y là! J'ai raté!
Vite, vite, vite! Il allait se transformer, le boug. Herbe verte, ben merci bien. Donc ça, c'est la lanterne. Un bleu velours. Et une herbe jaune. Oh, ça, c'est des glingots. Ça, c'est des glingots. L'herbe jaune, amélioration de santé maximale. C'est minuscule à chaque fois, mais petit à petit, l'oiseau fait sa cabane. Je crois que j'en ai plus. Est-ce que c'est un symbole à moi, ça? Cette espèce de grosse paire de fesses? Je sais pas. On a paire de fesses, œuf. Et ça, je sais pas. Les couilles de Keeper, continuum. Attends. Ça. Le truc là-haut, on l'a. Il existe. C'est ce qu'on vient de voir, ça. Et paire de fesses. J'aime beaucoup. Bon. On a celui-là. On va faire le tour. On a celui-là. Je vais pas laisser des carreaux là, ils ont dispawn ou quoi? Oh putain, le feu. Ouais. C'est paire de fesses, ça ou quoi? Je comprends rien, je la reconnais pas. Coucou Da Chloé, bah j'espère que ça va aller.
Et à plus, Ace. J'ai l'impression de faire tout le temps les mêmes trucs. Let me in! Celui-là, il est obvious. Celui-là, on l'a vu, il est obvious. Mais est-ce qu'il y a un ordre? Et lui aussi, là, il est obvious, on le reconnaît bien. Je crois. Les deux là-haut, pour moi, c'est... Ah non, en fait, c'est pas bon. Mais non, c'est pas bon, je suis trop con. C'était lui. Enfin, je sais pas. Là, il y a l'espèce d'œuf en haut de la ligne. Et là, il y a un U avec un œuf en dessous. Donc, c'est lui. Mais lui, il ressemble beaucoup à celui-là, en fait. Mais pas à celui-là. J'ai totalement compris l'énigme et j'ai trouvé la solution. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu, j'appelle la police ! Police ! On va dire que là, ils sont côte à côte, donc c'est pour ça que c'était... lui en bas. Oh là là! Je vais vous prendre un maxi dildo XXL, s'il vous plaît. Ah, j'ai plus de carreaux. Bravo. Jette. Bien bijou. Allez. Récupère tes carreaux. Merci Cécile pour le 15e mois, je crois que je t'ai pas remercié, non? Si, je l'ai dit, non? Pourquoi d'un coup, là? Je sais pas. Désolé, mon esprit est ailleurs. J'ai pas le temps.
Bon, on a un des deux objets clés, a priori, pour la clé de l'église. À la base, moi, je voulais surtout du flouze. On en a récupéré, mais je suis perdu beaucoup de flouze à base de soins et de munitions, hein, si on part par là. Ok, let's go. Donc, il y avait une autre... Il y a ici. Avec un marchand. Bah, c'est parfait. Avec un marchand. Je suis déjà venu ici? Pourquoi c'est cassé ça? Ah mais oui, c'est... attends, je suis déjà venu. Je suis perdu. I am lost. Complètement perdu le gars. Complètement paumé. À mort. Oh. Une montre à gousset. J'ai reçu quelques nouveautés qui doivent... Bienvenue. J'ai mis la main sur quelques raretés. Alors. Mon tragousset, ça dégage. Le bleu velours, ça dégage. Et le bracelet, ça dégage. Une affaire bien conclue. On est à 43 000 pesetas. Modeler une arme pour répondre à tes besoins. Oh, y a-t-il quelque chose de plus beau? On commence à bien cerner tes goûts, étranger. C'est un travail qui demande de la finesse, étranger. De petits ajustements peuvent faire toute la différence, tu vois. Voilà. Le Red 9 est passé niveau 2 en tout. Ça va être extrêmement violent. Tes armes sont entre de bonnes mains. Tu peux me faire confiance. Et si je veux acheter... Oh ! Mine adhésive ! Pour ton argent, je te le garantis. Tu sais, l'information a... Oh merde, il y a une extension de mallette à 20 000. J'avais pas vu. Et il y a un lance-roquette. Mais ça, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un lance-roquette, franchement? Il y a une extension de mallette à 20 000. D'accord. La marchandise est en parfait état. Je te le promets. Est-ce que je peux te... Fais bonne route. Mine adhésive. Ça, c'est pour les carreaux. Ça va encore me prendre de la place, non? Ouais, c'est bien pour les carreaux. Très bien. Donc on est déjà venu là la dernière fois, mais il n'y avait pas le bateau. Je comprends. Ensuite. C'est quoi cette zone-là? Pourquoi là il y a la... Attendez. «
C'était au niveau inférieur. Ah oui. Mais oui, mais justement, quand je grimpais là. Tout droit. Ouais, doucement avec les portes. Là, il y avait un petit hôtel avec la clé Koh-Lanta. Parfait, tout est lié, tout est bon. Dans le cochon. On est bon. La lampe papillon. Ça a l'air bien la lampe. Il faut la sertir. Bel ouvrage. Ah oui, ça y est, je vois où je suis. Il y avait ça, et il y avait un espèce de truc géant. Oui, parce qu'il y a une histoire d'un espèce de géant. Une espèce de géant. Il y avait un gros bébé, un gros crâne, il y avait quelque chose. Un rubis. Eh bien le bonsoir. C'est le 33e mois de bonheur brioché Waïda brioche tour. Merci Valvarox, merci beaucoup pour ce sub tier 3. En fait, je sais pas si je peux récupérer la bouboule bleue là. 33e mois de ce tier 3. Ah si. Et voilà. Par contre, son œuf doré, je sais pas où c'est. Hein. J'imagine qu'il me le mettra sur la carte, puisque ça spoil tout sur la carte. Tu t'es occupé d'une requête, bien joué. T'as prouvé que t'étais digne de confiance. Donc, Spinel x4. On peut récupérer... Tu veux savoir où on a déniché ces merveilles? Il vaut mieux pas que tu le saches. Belle intuition, étranger. Reviens quand tu veux, surtout. Je prends l'herbe jaune. Puis... Moi, je veux aller là. Ça, c'est mon objectif de vie. Et après, on se mettra... Enfin, on fera une pause pour YouTube. Des poules ?
Ça va me flouder l'inventaire d'œufs, J-peps. Œuf de poule doré. Un œuf doré d'une grande valeur peut être utilisé pour regagner une grande quantité de vie. Ouais, mais il faut que je le vende au marchand. Ok, YouTube, encore une minute pour toi. Ah oui, ça, je me souviens ce que c'est, ok. Pouf ! C'est là que je dois aller ? Pas du tout. On a trouvé un autre bateau. De la qualité. Bienvenue. Alors, vendre. Donc ça, tant qu'à faire, effectivement. Et l'œuf. J'achète tout et n'importe quoi. Mais il est où ? Il est là, putain, je suis déglingué. Ok. J'étais sûr que je pouvais te faire confiance. Bon travail. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose ? Et j'ai gagné des spinales, mais bon, je vais peut-être pas prendre un rubis rouge qui va me prendre de la place là. Quoique c'est pas dans l'inventaire, mais... Fais bonne route. Le petit taf. Non, ça sert à rien de prendre le rubis rouge parce que c'est pas le même rubis rouge, c'est un rubis rectangle comme ça qui va me foutre la merde. Ça ne va pas du tout. Ça dégage. J'écrase la sauvegarde. Ok YouTube, il est temps de se laisser. On est un peu dans le secondaire hein, finalement, mais nous allons continuer notre exploration du lac. Il faut qu'on parte... dans cette direction. Et ce sera la prochaine fois. Des bisous.